All right. Welcome back to Segathon 6. I'm DB Cade, again here with another fighting game. Actually, the Eh bien, on est reparti. First fighting Donc, game. Make sure. Burning Rival. Sega AM2 in 1993, July. Alors, comme il est en train de le présenter, donc, c'est un jeu qui est sorti en juillet 93 en arcade. Effectivement, même runner, même commentateur. C'est beau. Donc, c'est un jeu développé par le studio AM2. Alors, le studio AM2, c'est un studio iconique de chez Sega, dirigé par le grand homme Yu Suzuki. Mais je vais en parler un peu plus en détail sur les futurs runs qui viendront dans la journée, notamment avec Super Hangon, qui vient peu de temps après, et Outrun, vraiment, qui sont vraiment deux licences phares du studio AM2. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus, justement, ne zappez pas. En tout cas, donc Burning Rival... alors c'était vraiment en plein boom du studio AM2. C'était donc il y a eu tout le succès. C'est la seconde vague du studio. La première vague justement c'était avec Hangon, Super Hangon, Outrun, Space Harrier et compagnie. Afterburner également. Et là on est au tout début de la seconde ère. Qui marquait le début de la 3D avec notamment Virtua Racing. Et pendant que le studio était en train de bosser sur la 3D avec Virtua Racing et tout ça, Yu Suzuki a pris une partie de l'équipe de studio AM2 pour faire un jeu de combat. Et donc, c'est comme ça que est lancé le développement de Burning Rival. Alors, le jeu va quand même souffrir pas mal de la comparaison avec Street Fighter 2, forcément. Donc, Street Fighter 2 qui est sorti 2 ans avant. Et il va rejoindre pas mal la famille des clones, entre guillemets, de Street Fighter 2. Mais forcément en un peu moins poussé en termes de mécanique. Donc c'est pour ça qu'on... quand on parle des jeux de combat des années 90 en arcade, on va parler de Street Fighter 2 et rarement de Burning Rival. Mais bon, on est quand même 2 ans après, toujours avec cette mécanique, cette identité visuelle de sprite 2D. Sur un fond un peu 3D qui reste quand même un avantage, ça reste quand même, on va dire, plus joli. Alors, on n'arrive pas à lancer visiblement la run. C'est bon, c'est parti. Ok. Donc on a un petit effet de profondeur un peu plus marqué que dans le Street Fighter. On reste quand même en 93. Donc ça reste un jeu quand même visiblement qui était sympa, mais qui n'aura pas non plus marqué les esprits. Donc on est sur une run en hard. Cette fois-ci, il y a bien un runner sur la catégorie. On va pas forcément avoir un world record ici. En tout cas, notre runner actuel, lui. Il a le world record dessus, 9 minutes 24, et du coup il joue aussi donc Shingen, qui est vraiment un perso visiblement très solide. En hard il est le seul runner, par contre en easy où il est concurrencé par un autre runner, mais en normal et hard il est le seul. Donc si vous voulez potentiellement un world record, allez-y. quoi qu'il arrive, vous serez forcément deuxième mondial sur le jeu.
Donc, allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas, là, on a... là, pour le moment, il roule sur l'IA. Bon, en même temps, c'est les premiers stages, donc c'est normal. Alors, voilà. Là, par contre, ce qui se démarque, justement, on peut voir avec Street Fighter, là, c'est la beauté des décors. Parce que là, on a tout cet effet de neige qui tombe et tout ça qui était vraiment pas mal. Mais alors là, oui, c'est fait dive comme un sale. Alors du coup, en fait, donc le héros qu'on a peut-être aperçu, qui s'appelle Arnold, qui est en fait... Et en gros, il y en a qui le décrivent comme ça, c'est que tu prends la tête d'Arnold Schwarzenegger que tu colles sur le corps de Ryu, mais du coup, ça fait pas le même charisme. Et du coup, même Capcom vont reprendre un peu ce délire de prendre la tête d'un personnage en le collant sur le corps d'un autre pour créer Dan plus tard. Où en fait on va prendre ils ont pris un peu la tête de Robert de King of Fighters, enfin de Art of Fighting, collé sur le corps de Ryo. Donc ce qui fait un peu le personnage gag, on va dire, de Dan. Dan meilleur perso. oui, Dan est très populaire, même si c'est à la base le perso comique, on va dire, de Street Fighter. Mais voilà, donc le jeu va souffrir pas mal donc de la comparaison avec Street Fighter 2. Donc le Arnold, donc le Ryu du jeu, est quand même un peu moins charismatique. Donc le personnage ici qui va être comparé à Chun-Li, eh bien c'est pareil, on va préférer largement Chun-Li à ce personnage-là. Même si là, elle a quand même des armes par rapport à Chun-Li. Elle a une dev kick. Là, elle a l'air quand même d'avoir de très bons outils. Après, bon, Chun-Li dans Street Fighter 2 reste quand même un perso très solide. Ah, c'était soit tu jouais Dan, soit tu spammais Dalcy, mais je perdais mes amis, je comprends. Je comprends. Ah, donc. Ici, on est contre Bill, du coup, le footballeur américain. En tout cas, la chop spé de Shingen a l'air d'être assez forte quand même. Lots of weird things that can happen in this game with that grab. A lot that I can't really explain. Ouais, hein, ça fait un bon quart de barre. Allez. Oh là, c'est le loop de chop, le loop de chop. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique là ce qu'il a sorti. Comment ça, un samouraï chopper avec un katana? C'est vrai qu'il a l'air assez fort quand même, Shingen. Il a un katana qui lui permet d'avoir une bonne couverture, mais il a une chop spé qui a l'air d'être assez solide également. Chopper, c'est pas un perso de One Piece. Si, c'est ça. Ah, donc le voilà, Arnold. Arnold, donc qui est le Ryu du jeu. Là, vous le voyez. Donc, c'est Schwarzy sur le corps de Ryu. Mais là, il va se prendre dans un loop de chop. Encore une fois, qui va lui être fatal. On n'aura même pas le temps de le voir. Si, allez, deuxième round. Est-ce qu'il va se reprendre la même? Ah, il se reprend la même. Et là, on le voit, en fait, il set up à la relevée, il fait bas moyen point pour pouvoir set up la chop juste derrière. Et ça m'a l'air d'être assez intestable. Le loop de chop comme moi au bar. Bien joué. Le fils illégitime de Ryu et Guile. Eh oui, c'est vrai. Parce que... C'est vrai que Guile était pas mal inspiré justement de...
Yes! That's exactly what I was de Schwartzy et okay. d'autres so acteurs américains comme ça. Donc voilà, là quand je parlais tout à l'heure de moukoulinisme pour essayer de brain l'IA, le loop de chop a l'air d'être pas mal efficace. Hein. Encore faut-il y arriver au corps à corps. Ah voilà, ça y est, il a chopé. Bah bon, il y a un point. Ah, il a réussi à contrer quand même. Slicing and dicing. Oh no. Ça doit être Azuka, je crois. Non, Azuka, ça doit être la fille qu'on a vue tout à l'heure. Je cherche qui est le personnage. Parce que j'ai le nom des persos, mais j'ai pas forcément l'image qui va avec. Est-ce que c'est Monsieur Chin? Oh, I did it again. I was too quick. It seems to happen when I'm like frame perfect. Nice. That glitch will happen. It happened twice, okay. This really is crazy marathon luck. Ah, donc là, on est sur contre Santana, il me semble. Je m'attendais pas à voir, parce que Santana, c'est du coup un catcher. Je m'attendais pas à un personnage, on va dire, avec... Je m'attendais, on va dire, pour un catcher, un personnage un peu plus bodybuildé, quoi. Aussi sec que ça, je m'attendais pas. Ah, j'ai cru voir Jackson. Ah, donc c'est le boxeur, my bad. And there we go, perfect throw loop. Si c'est Jackson, c'est le boxeur. Bon, de toute façon, on n'a pas eu le temps de le voir. Il est déjà mort. Tu ne l'as pas encore vu, mais il est déjà mort. Allez, le match miroir, Shingen. Qui va être... Oh, on n'avait pas vu ce coup-là, tiens, d'ailleurs. Oh là là, oh, il s'est fait moukoubiniser. Et c'est bon, il y a la chop. Chop, allez, une dernière chop. Non, c'est bon, juste le bas moyen suffit. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais là, on est comme sur un Street Fighter. On est sur un gameplay 6 boutons. Donc, petit, moyen, gros point et petit, moyen, gros pied. Mais c'est vrai que le Shingen, il a l'air de tout avoir. Hein. Il a un katana qui, a une, qui touche à l'autre, à quasiment à l'autre bout de l'écran, une chop spé qui fait mal, une boule, une sorte de dash très rapide qui permet de couvrir la distance. Il veut l'avoir au time over. Ah, ouh, attention. Ça tente le zoning. Mais ok, c'est bon, ça tue. Mais oui, la portée, du coup, c'est abusé. Et là, du coup, alors, il a battu Shingen. Ah, on le recombat ? Allez. Ouh, attention, ça pique. Non, il est mort, ok. J'ai cru au zéro de vital. Non. Ok, donc. Allez, c'est un peu plus compliqué là. De toute façon, on joue le perso pété ici contre le perso pété avec une IA pété. Donc, c'est compliqué. Mais le loop. Le loop de shop. Ah, c'est nickel. Il a pu prendre le loop de shop. Alors que le runner imite la win pose du personnage. Allez, faut être solide sur les appuis. Là, on se fait zoner. Ah oui, en plus, il a deux niveaux de boule comme Sagat. Oh la vache, mais l'enfer du perso. Allez, le loop de shop et ça passe. Time, 10 minutes 41. Et là, ce n'est pas un world record. Nice. Puisque je le rappelle, son world record était à 9 minutes 24. Mais très très propre quand même. Donc encore une fois, si vous voulez un minimum à être deuxième mondial sur un jeu, lancez une run de Burning Rival et allez-y. Peu importe ce que vous ferez, vous serez forcément deuxième. Vous prenez Shingen et vous chopez. Vous faites chop, bas moyen, point shop, bas moyen point shop, jusqu'à ce que ça passe.
Ou sinon, vous zonez à l'autre bout de l'écran avec le coup de katana qui touche à travers tout l'écran. Shingen has to die twice. Then you win, and then you have to die if you're Shingen. Si vous jouez à un jeu de baston et qu'il y a un samouraï possédé, il y a grande chance qu'il soit divin. This is a game, okay? This is a game, c'est vrai que les samouraïs, souvent, ils sont assez forts. Hein. Enfin, les gens possédés, en général. Tu prends Akuma, du coup, qui est quand même un petit peu possédé. Hein. Bah, Akuma, il a toujours été fort dans les jeux. Yoshimitsu aussi, pour aller sous le Calibur, effectivement. Alors, effectivement, tu parles, Rosen, de Vampire, de Vampire Savior. On retrouve justement dans la DA, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans la DA de Burning Rival, on retrouve justement le même système de DA qu'on va retrouver dans la série Vampire derrière, donc connu chez nous sous le nom de Darkstalker. On retrouve un petit peu cette même patte, on va dire. And see what other Sega events are coming up. Avec des sprites entre guillemets 2D mais pas vraiment pixelisés quoi, je vais pas dire HD 2D mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, donc voilà, premier jeu, alors le premier jeu c'est vrai que j'ai pas vu, mais en tout cas de mon bloc AM2. Rage quit. Voldo, il est possédé. Par contre, c'est la convention de Genève contre les joueurs de cette horreur. Effectivement, oui, Voldo. Voldo, c'est toujours un personnage pas mal qui a souvent été fort, mais pas mal haï par les joueurs qui ne le jouent pas, ceux qui jouent contre. Alors là, normalement, on a une période de setup avant Super Hangon. Voldo est interdit en période de sécheresse. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais... J'ai la voix du runner, j'ai le son du stream qui saccade. Ça saccade pour nous tous et j'arrive pour prendre le relais, Zato, comme ça tu peux te reposer parce que visiblement tu t'occupes de nous toute cet après-midi. Une bonne partie de la preuve, effectivement. C'est ça, j'allais te demander si on allait te revoir, puis j'ai ouvert le planning et ben, on va apprendre à bien te revoir pendant une bonne partie de l'après-midi. En tout cas, merci pour tes deux excellents commentaires de ce matin. Ah.